sang. Lorat, vous allez... Je reprends juste mon souffle. Je vois la flèche droit devant. Allez! Ok. Infâme! J'en fais rien. Ouais, les traces de Lilith ou d'Inarius. Une cinématique. Lilith est passée par ici. Je vois des pétales de sang. Faut pas cliquer sur le truc, du coup. Il y a une cinématique qui arrive. Ouais. Bon, bah, du coup, je vais regarder un peu ce qu'on a looté. Alors. Nous nous reverrons. 150. Grande différence. Comment on peut la mettre en mode canote? C'est une réduction de dégâts, pardon. Non. Ok. Ouais, là, il y a plus de niveaux, ouais. Oh, c'est le même stat. Bon, oh, un nouveau sort. Ah oui, j'ai pas vu le sort. Tornade et orage. Et là, j'ai pris pulvérisation et tornade. Bon, tornade, c'est bien. Les amulettes. Ah oui, l'amulette par contre ça change énormément. Hein. Ah, c'est la bulle magique. Ah, j'ai peur de la bulle magique. Le critique augmente votre. Pas pire, mais. J'ai peur de la bulle magique. Et bâton, bon, j'essaie de garder les deux. Je voulais un truc niveau 40 que j'avais. Ouais. C'est ça qui est niveau 40. Les deux trucs niveau 40 et. Il y a quand même plus de dégâts. Oh, je sais pas. Il n'y a pas que les dégâts qui comptent. D'accord, ça va chuter. C'est une blague. J'ai pas joué ce jeu. Lorsque vous avez deux points de fortification. Vous avez plus de au rang de vos compétences de terre. Ouais, bah c'est. Est-ce que vous êtes inhéritable? Ouais, non, faut que je garde celui qui est équipé, y'a pas photo. Compétences, c'est beaucoup plus intéressant. Ok, donc tout ça. Que j'ai le temps de m'occuper de mes ventes, oui, je pense. Est-ce que tu repopes au même endroit ou tu passes tout le trajet? Oui, bah oui. Bon, j'allais à base. Ah, pour TP directement sur nous. Oui. Oui, c'est vrai que ce serait une pas. Une bonne affaire, que le père vous bénisse. Parce que quand j'ai chargé tout seul, juste avant, j'étais quasiment au même endroit. Moi, ton micro a changé. Hein? Moi qui rêve. Moi, je change.
changer mon anneau légendaire. Mon anneau légendaire était niveau 16. Ah oui! Ça commence à dater ou dans. T'as pas cliqué sur mon portail ? Ok, bon bah cinématique, c'est parti. Nous combattrons au nom de sa sainteté. Béni soit la lumière. Te souviens-tu de Inarius, les murmures des damnés? Les mots ne te sauveront pas. Montre-toi! Le soldat est donc de retour.
et avec tant de détermination. Il n'est plus l'âme tourmentée que j'ai abandonnée. Tu m'as trompé. Pourquoi, Inarius, que cherches-tu vraiment? Ma place légitime est dans les cieux. Est-ce pour cela que tu veux détruire notre création? Sanctuaire est une abomination! Et notre fils? J'ai réparé mon erreur pour satisfaire les cieux. Dis-moi, était-il satisfait? Non. Ils ne veulent pas de toi. Nous avons fait un choix. Et ça, ils ne le pardonneront jamais. Peu importe ce que tu clames ou qui tu sacrifies, le silence est leur jugement. Mais j'ai corrigé mon erreur. Que voulez-vous que je fasse de plus? Dites-moi! Pitié! Dites-moi! Les cieux ne te parlent plus à présent. Tu es seul! Non! Les cieux me protègent! Non! Ah! Ta pire! C'est en enfer. Non. Non. Ayez foi! Ayez foi! Résistez! Non! Ok, sacré cinématique. Que s'est-il passé? Lilith. Elle a arraché les ailes d'Inarius. On aurait dit qu'elle jouait avec lui. Elle voulait faire souffrir l'ange avant de l'achever. Dans ce cas, la prophétie était fausse. Une lance de lumière transperçant le cœur de la haine. Peut-être pas. Lilith est blessée, elle aussi. Il sera plus facile de la piéger dans la pierre d'âme si elle est blessée. Nous devons continuer. Tu l'as pu, non?
est déjà parti. Que fait-on maintenant? Je pensais que c'était la toute dernière cinématique, puisque elle était tellement longue celle-là. Je vais préparer l'œil aveugle. Bah non, on regarde sur le terrain, peut-être sur le terrain, alors cette carte. Ouais. Nous devons trouver Lilith. L'œil est le seul moyen d'y parvenir. Vous plaisantez? Je sais ce qui s'est passé la dernière fois que l'œil a été utilisé, et ça s'est mal terminé. Vous avez une meilleure idée? Quelqu'un d'autre? C'est ce que je pensais. Mais qu'il est con! Ah ouais, bah tu m'étonnes. Je dois attendre. Donan, vous saignez. Je vais bien, mais Laura t'a raison. L'œil est notre seul atout, le seul moyen de trouver Lilith. Nous n'avons plus de temps à perdre. Je vous demande pardon. Honore la promesse que tu m'as faite. Bien sûr, fille de la haine, tu feras bientôt face à ton père. Nous rentrons tous chez nous, à la fin. Il était très imprudent d'utiliser l'œil à nouveau. Que se passe-t-il? Où suis-je? Vous êtes prisonnier de votre esprit. Je pourrais vous garder ici pour l'éternité, mais je préfère vous proposer une alternative. Vous pourriez devenir le plus grand protecteur de sanctuaire. Mais uniquement si vous le choisissez. Ok. Pourquoi on utilise l'œil sachant qu'on sait qu'elle est en face, enfin qu'elle est en train de se diriger vers la maison qu'on voit. Il suffit d'afficher la carte et on sait que la suite est en bas. C'est logique, quoi. Non, pourquoi ils ouvrent pas la carte? Je vais vous montrer pourquoi le monde a besoin de vous. Ah, c'était là où... Depuis que vous avez bu mon sang, je fais partie de vous. Mais contre notre gré déjà, pour commencer. Je porte dans mon cœur vos rêves. J'ai offert aux êtres humains le libre arbitre. Mais sans berger pour les guider, ils sont perdus. Ils s'attroupent dans des théâtres faisant office de... Honte à vous! Notre père vous a ouvert la voie du salut.
Et vous? Vous ne cherchez qu'à vous en écarter. Et les gens applaudissent à ce spectacle. Ils veulent se convaincre que la vie, vous voyez le monde à travers des yeux d'enfant. Mais vous savez... Les Horadrim connaissent la vérité. Oui. Mais ce ne sont que des gardiens du savoir. Ils ne peuvent pas faire ce que vous faites. De l'or dans l'esprit. Pardonne-moi. Moi aussi j'imagine de l'or souvent dans mon esprit. Pardonne-moi. Et cette nuit j'ai rêvé que j'étais un druide. D'accord. Est-ce que je pouvais me transformer n'importe quel animal? Pensez-vous? Une mouche? Mon fils était plus érudit encore que les Horadrim. Mais lui non plus n'avait pas l'étoffe d'un berger. Sa prophétie était un avertissement. Mais plutôt que d'unifier Sanctuaire, elle l'a plongé dans le chaos. Inarius, Elias, Laura. Ils étaient tous si désireux de voir leur propre interprétation de la prophétie se réaliser qu'ils n'en virent même pas la simple vérité. Nous sommes toutes et tous prisonniers de l'éternel conflit, les pions d'anges et de démons qui se haïssent autant qu'ils vous haïssent. Cela fera toujours partie de nous. Nous devons nous battre pour survivre. Pauvre Inarius. Croire que la prophétie ne parlait que de lui est typiquement humain, à moins que ce ne soit lui qui ait transmis la vanité à votre espèce. Béni sois-tu, mère. Sauve-nous. Elias pensait que je sauverais Sanctuaire, mais il avait tort. Seul un être humain peut guider l'humanité. Vous. Je ne suis le sauveur de personne. Un vrai berger ne se voit jamais comme tel. Mais repensez à vos exploits. La haine, la destruction et la terreur sont éternelles. Nous les combattrons à jamais. Mais nous pouvons renverser le cours de l'éternel conflit en notre faveur. En commençant par la destruction de Méphisto. Et c'est vous qui mènerez les batailles à venir. Prenez ma main. Combattez pour Sanctuaire. Je resterai dans l'ombre. Jamais je ne m'allierai à vous. Dans ce cas, voici l'avenir qui vous attend. Et confiance. Je vous tiendrai enchaîné ici pour l'éternité. Pas de toi. Portail. Cette caverne dans la montagne, c'est là que Méphisto m'a trouvé. Je dois attendre l'arrivée de mes alliés. Le chaud là. Ce piège. Pourquoi continuez-vous à m'aider? Regardez où nous sommes. Je vous ai sauvé de cette petite grotte lugubre, car je savais que vous pouviez vaincre Lilith.
C'est tout ce que je veux. Je ne vais pas vous mentir. Un jour viendra où nous serons ennemis. Mais que cela vous plaise ou non, pour le moment, nous devons unir nos forces pour la vaincre. Regardez-moi dans les yeux. Votre chemin est semé d'embûches. Ma bénédiction vous guidera. Avancez sans peur. Inception, l'esprit dans l'esprit, là. Oula, c'est quoi ce son? Il me semble bien avoir senti ce vieux loup rôder dans les parages. Esprit dans l'esprit, non, on a eu sa bénédiction. Ah oui, non, on est dans... Mais pas à moi. Dans le monde... Ouais, ok. Êtes-vous si stupide? Que vous a-t-on offert, mon père? Répondez-moi. Non, il parle plus. Oh non, il me slame, là. C'est pas vrai. Une fois qu'elle demande quelque chose, je peux le finir comme ça. Qui serait assez stupide pour refuser le don de la mer? Niveau 50. Paragon déverrouillé. Son sang coule dans vos veines. Je le veux. Attends, niveau 50 en tant que druide. Je ne suis pas encore prêt. Je dois attendre un moment. Je dois attendre. What? Pointe de PV. La mer a déjà. C'est mieux encore, bien sûr. Votre résistance serait futile. Je dois attendre. Je ne suis pas encore prêt. Effectivement. Moi j'ai plus de soin, j'ai un peu l'utilisé. Bon. Je pense que c'est rarement mes soins. Je ne suis pas encore prêt. Pendant que j'étais. Honnêtement, aussi fort que je le pensais.
Je ne suis pas encore prêt. Est-ce qu'il nous a donné du loot ? Non. Je dois attendre. Laissez croupir ici, vieux bouc. Je suis trop vieux pour traîner votre corps hors des enfers. Bougez votre main et laissez-moi voir. Je ne reçois plus d'ordre de vous depuis des années, Lorat. Je ne vais pas m'y remettre aujourd'hui. C'est moi que vous auriez dû venir trouver, pas la cathédrale. Je serais venu vous aider à porter ce fardeau. Je sais. Peut-être que les choses se seraient passées autrement à Skosglen. Et avec Yorin. On est déjà assez fait. Trouvera-t-il que c'était assez ? Oui. Plus cassé.
suis navré pour Donan. Ce qui est fait est fait. Que vous a appris l'œil? Lilith a essayé de me piéger. Je l'ai vu traverser un océan de feu. De l'autre côté se trouve le domaine de son père. Nous arrivons trop tard. Nous ne pouvons pas abandonner. Nous avons la pierre. Que proposez-vous? Je ne sais pas. J'ai toujours pensé que si je ne survivais pas, ce serait à vous de finir mon travail. Vous avez toujours su garder votre sang-froid. Pas moi. Suivez votre instinct. C'est grâce à lui que nous sommes arrivés aussi loin. Ok. Barbare, qu'est-ce que te dit ton instinct? De reprendre l'œil. On ne sait jamais. Reprends l'œil. Bon bah on va taper alors du coup.